Richard, en cette ère de négociations dans le secteur public, parlons des négociations des policiers, parce qu'à la Sûreté du Québec, c'est pas réglé non plus. Ils ont dit non à, il me semble, 21% sur 5 ans. Et là, comme il n'y a pas de développement dans leur dossier, on va revivre l'épisode des pantalons de clown. Tu t'habilles en clown, t'es un clown. C'est tout. Je veux dire, ça devrait être non. Hey, moi, j'ai pas de bonus cette année. J'ai pas de bonus à que. Bon, on n'en a jamais eu de bonus du temps des fêtes. Mais là, cette année, je trouve que j'en mérite un, puis j'en ai pas. Tiens, m'animer comme ça maintenant. De même, je vais amener. Tout. C'est bon, ça. Ça m'a l'air encore plus sérieux que d'habitude. Je trouve que ça donne comme... de la crédibilité, effectivement. Tout à fait. Alors, jusqu'à temps que j'ai mon bonus, je porte ça sur la tête, je te le dis, là. Je veux dire, vraiment, tu représentes l'autorité, Christy. Je veux dire, habille-toi comme du monde. Comment tu veux respecter? Déjà, des fois, on a des policiers qui, tu sais, ils mesurent 4 et 2, 95 livres mouillés, là. Je veux dire, déjà, puis si en plus ils s'habillent en clown, là, comment tu veux respecter ces policiers-là? Ça devrait être totalement interdit. T'es un policier, t'as pas le droit de t'habiller comme ça. Mais bref, donc, à partir d'aujourd'hui, je trouve que, tu sais, d'ailleurs, je t'en manque de crédibilité, moi, là. Alors ça va m'aider, ça. Donc t'es comme les cadres de Radio-Canada, tu veux ton bonus du temps des fêtes. Oui, c'est ça. Solidarité. Alors voilà. Ça devrait être dit. Mais on accepte ça. C'est comme, il n'y a pas de problème. Il s'habille en clown. Ben oui, correct. Un gars sort après 2 ans parce que tu veux sa fille. Ben oui, c'est correct. T'sais. C'est le même au Québec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bonne journée. Hey, garde pas ça sur ta tête toute la journée, là, Richard. Salut. Surtout qu'il est serré. Salut.